sixième jour de course pour la première édition de la Mongolie Aventura Cup et encore des dunes au programme de la cinquième étape. L'objectif c'est ça, c'est déjà de finir, ça c'est clair. C'est d'aller le plus loin possible jusqu'à 21h, parce que c'est une journée encore qui s'annonce très longue. Aujourd'hui, c'est en effet l'étape marathon. Les concurrentes peuvent rouler jusqu'à 21h et à cette heure-là, devront s'arrêter à l'endroit où elles sont pour passer la nuit. Interdiction de rouler jusqu'à 6h du matin le lendemain. Mais d'ici là, les 14 équipages doivent s'attaquer à un erg, un secteur de seulement 39 km, une distance qui en dit long sur les difficultés qui attendent les aventurières. L'heure est donc à la réflexion avant de s'élancer au milieu des dunes. C'est la jonction entre la partie sablonneuse et le début des dunes. C'est pile poil là. La ligne, elle est là. Steph, tu passes comme ça et tu surfes comme ça. Tu vois là où il y a le petit truc d'herbe là. Ouais. Comme ça. On fait comme ça, tac et tac. Connue sous le nom de dune chantante, cet erg est aussi le plus haut massif dunaire de Mongolie. Bordé par une rivière souterraine, le pied de l'erg est marécageux et très vert, offrant un contraste étonnant avec le sable des dunes. Un terrain de jeu idéal pour la faune et la flore locale, mais aussi pour nos aventurières. Pour traverser les dunes, certaines font cavalier seul, mais la plupart décident de rouler en groupe, un choix qui leur permet de s'entraider en cas de tankage et de mieux baliser leur itinéraire. Rouler en groupe permet aussi de se motiver et pour les moins expérimentés, d'oser des passages qu'elles n'auraient pas tentés seules. Dans les dunes, il faut surtout trouver le bon compromis entre la distance la plus courte à parcourir et des difficultés mesurées. Bon là, c'est vrai qu'on s'est un peu chié, on aurait pu prendre le cap un tout petit peu plus loin. Mais ça va le faire. Passe ici tout droit là, prends un petit peu à droite là. Voilà, prends un petit peu à droite. Là, en face. Les jours se suivent et ne se ressemblent pas au sein du rallye. Alors qu'elles avaient traversé les dunes sans grande difficulté la veille, Béatrice et Océane vont connaître quelques péripéties ce matin. Quand on a passé la crête, c'est vrai que j'ai dit, bon, on avait vu le plat derrière, on s'est dit, c'est bon, ça passe. Et là, j'ai dit, ouais, ça passe, crème. Et là, t'as le nez qui pique et tu te dis, c'est la fin. Et c'est pas la fin, c'est juste la fin de mon sternum. Mais voilà, c'est pas ce qui va nous arrêter, c'est tout. On était au cap, c'est une vie. Bilan, c'était un homme fêlé pour Béatrice. Et les dunes, ça fout la trouille quand même. On se prend des grosses claques là-dedans. Hier, on s'en est pris une. Donc voilà, pour moi, c'était important d'être au top de la sécurité. Ne pas surestimer ses capacités, ni le risque du terrain, voilà l'une des clés de la traversée des dunes. Surtout que la fatigue aidant, la moindre petite hésitation peut compromettre l'avancée des concurrentes. De quoi pousser l'organisation du rallye à adapter le parcours à chaque instant, comme lors de cette cinquième étape. Là, on est au CP4 et les concurrentes sont un petit peu fatiguées. Et puis surtout, les dunes qui se présentent à elles sont assez difficiles. Les passages sont difficiles dû au vent qui a un peu inversé l'orientation des dunes. Et donc on préfère neutraliser. Le répit sera de courte durée puisque quelques kilomètres plus loin, le second secteur au cap de la journée attend les concurrentes pour l'ultime traversée de cette ergue, mais cette fois-ci dans sa partie ouest. Et pour compliquer la fin de journée des concurrentes de la première session de cette première édition, une tempête de sable commence à se lever. 6h du matin. Après une nuit passée en totale autonomie, le rallye repart. Si la majorité des concurrentes ont essayé de se regrouper pour passer la nuit, certaines se sont retrouvées isolées. La joie des retrouvailles n'en est que plus grande. Regardez cette belle équipe. Ouais. C'est toujours les mêmes qui se retrouvent. C'est ça, ouais, qui, c'est ça qui est dingue. Tu sais qu'on a retrouvé Isabelle Charles. On a bien rattrapé. Il n'est que 10h12, mais on a l'impression déjà qu'on est debout. Ça fait 6h qu'on est debout, mais tout va bien. Bonne journée. Tous.
d'autres équipages, la nuit en totale autonomie est aussi une occasion d'engranger des souvenirs, d'aller à la rencontre des nomades. Laure et Christine, les Nantaises, l'ont bien compris et expérimenté. Choisi une petite yourte avec une famille pour installer notre tente, donc ils ont bien accepté de nous accueillir. On a pu aller traire les chèvres avec eux et boire un bon petit lait de chèvre chaud, bien agréable pour notre dîner d'hier soir. La rencontre avec la population locale peut aussi s'effectuer de manière plus inattendue à tout instant, comme ici lors d'une crevaison en pleine steppe pour Valérie et Sabine. Des rencontres de courte durée car très vite, il faut reprendre la piste, direction Gurvantes et sa station-service pour faire le plein d'essence mais aussi de réserves alimentaires pour les jours à venir. À la sortie du village, certains équipages vont avoir du mal à trouver la bonne piste. Résultat, plusieurs voitures partent trop à l'est et devront parcourir de nombreux kilomètres en trop avant de retrouver la bonne trace. Un tracé qui mène les aventurières vers un lieu magnifique, le canyon de Kermensave. Un lieu qui se mérite, hors de tout circuit touristique. Un lieu qui réserve quelques péripéties à nos aventurières. On roulait bien, on était pas mal, on allait tout droit. Il restait 3 km avant le waypoint. Et là, on voit une roue de secours au milieu. On regarde, manque de bol, c'est pas nous, c'est pas notre roue de secours, mais par contre, on a crevé. Voilà. Si les concurrentes de la seconde session de la Mongolie Aventura Cup feront le parcours sous le soleil, il en est tout autrement pour celle de la première session, prise dans une tempête de sable. L'occasion de faire le point sur les systèmes de sécurité du rallye. On a un système de suivi par satellite avec des balises spot qui sont fournies par notre partenaire Owaka. Donc ces balises spot en fait émettent la position des concurrentes par satellite et on les reçoit par internet. Ce système permet aussi d'envoyer éventuellement des alertes, donc des alertes techniques ou des alertes médicales. Au-delà de ça, nous sur le terrain, on a aussi un système par radio donc qui nous permet d'avoir en temps réel cette fois-ci et depuis le terrain, donc depuis cette voiture qui est le PC course mobile, d'avoir la position par radio GPS des concurrentes. Plusieurs systèmes coordonnés qui se révèlent bien utiles lorsque, comme en cette fin de sixième étape, la tempête de sable supprime toute visibilité. Après une bonne nuit, la tempête de sable ayant cessé dans la soirée, les aventurières peuvent enfin découvrir le site majestueux, l'un des plus beaux du rallye, où elles ont bivouaqué. Un site qu'elles découvrent lors d'une balade à pied. Malgré la fatigue, l'ambiance est excellente et tous les équipages reprennent la course pour un dernier secteur sélectif au cap, dans le sable. Pas moins de 40 km sans grande difficulté sont à parcourir. Pour les néophytes, c'est l'occasion de bénéficier des compétences des plus expérimentées. C'est le principe aussi de ce genre d'épreuve, c'est qu'il y a des concurrents plus expérimentés que d'autres et on est là pour s'entraider. Les conseils et la convivialité ne suffiront malheureusement pas à empêcher les derniers tankages. Il faut dégonfler un 3. Hein. Pas moins d'un 3. C'est complet. Bien sûr.
Delphine et Virginie pourront compter sur l'aide des Canadiennes Hélène et Chadet. Puis sur celle de Christelle et Angélique, les insulaires de l'île de Ré. Aujourd'hui, j'avais peur que je m'ennuie. Non, mais en plus, t'es pas beaucoup enfoncé avec la sangle, les filles. Et on va pas creuser, non? T'es pas beaucoup enfoncé? Non, on va essayer avec la sangle. Avec la sangle, hein? Ben, c'est pour toi, ce que t'as assez non, de. Elle va venir ici. Je sais pas. Est-ce que je tire vraiment du sol ou est-ce que je monte? Moi, aujourd'hui, je ne pèle pas. D'accord? Il y a pas de dune. On pousse. Bordel. Mais la fatigue aura raison de l'expérience emmagasinée précédemment et nombreux seront les équipages, même chevronnés, qui se tankeront lors de cette ultime traversée de dunes. Allez, on pousse. Allez. Non, c'est bon, Linda. 3, 2, 1, go. Après un bon bain de sable, Caroline et Sylvie repartent. Ouais, de la rigolade. Tandis que d'autres équipages doivent ralentir et même s'arrêter. Reprends ici, elle sera plus douce, hein, celle-là. Qu'ici, là, il y a une marche qui est cassante. Elle est trop cassante. Après un amortisseur, une durite de frein, une crevaison, maintenant le ski moteur. Mais tout va bien. On n'arrive pas à se repérer sur la carte, sur le GPS. Ils ne sont pas sur la carte et inversement, on a mis plus sur la carte qu'on n'a pas sur le GPS. Au secours! On est toujours rire. On peut pas faire un. Vous avez pas du papier calque? J'ai pas voulu écraser ma coéquipière qui était en haut de la dune. J'étais lancée, du coup j'ai ralenti. Et puis quand on ralentit dans une dune, on se tanque. Donc je me suis tankée. Et puis voilà! Et puis les 173 canadiennes sont arrivées, je les adore. Et puis voilà! Et je les aime. Et puis il y a ma copine qui arrive, Océane, donc ça va être parfait, je pense, on va se détendre. Effectivement, quelques instants plus tard, les aventurières peuvent enfin reprendre le cours d'une épreuve. Difficile, très difficile, parce qu'on a vraiment des soucis avec le roadbook côté kilométrage. Donc voilà, on est sans cesse en train de faire marche arrière pour reprendre une bonne piste ou autre, de rechercher. Donc vraiment pas évident. Au cours d'un rallye, les difficultés et autres petits soucis techniques sont fréquents. Mais les pannes mécaniques peuvent aussi arriver. La philosophie de l'Aventura Cup, ne jamais abandonner. En cas de casse, les concurrentes se voient ainsi mettre à disposition des véhicules de remplacement, comme ici Isabelle et Valérie. Véritable compétition, sans notion de vitesse, mais avec différents types de navigation, la Mongolie Aventura Cup veut faire découvrir à ses participantes une panoplie de paysages, tous plus étonnants les uns que les autres. Mais Rally Raid avant tout, elle n'en reste pas moins exigeante. Bon, hier, la journée a été un peu longue, d'autant qu'avec la tempête de sable d'hier soir, on n'en voyait plus la fin. Donc aujourd'hui, voilà. Ce rayon de soleil nous ravit. Le lendemain, réveil difficile pour les concurrentes de la première session de cette première édition. Le nouveau type de navigation les aura pour le moins déboussolées, provoquant des arrivées tardives jusqu'à minuit et demi. Mieux armées, les concurrentes de la seconde session ne connaîtront pas les mêmes difficultés et repartiront plus motivées que jamais pour cette avant-dernière étape, espérant même que la journée se passera aussi bien qu'hier. Hier, ça a vraiment été sacoche. Parce qu'avant-hier, on avait un peu... pas quel chien, comme on dit chez nous. Mais aujourd'hui, on est confiante, ça va bien aller. On a quand même maintenu notre troisième place au général. Fait que on espère la maintenir encore. Faut mettre le Québec sur le podium. Ouais. Pour débuter la journée, un secteur sélectif au roadbook de 135 km au pied de l'un des plus grands sommets de Mongolie. Pistes roulantes et paysages verdoyants feront le bonheur des 27 équipages. L'occasion de faire un premier bilan. On ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi dur. On est rassurés parce que super organisation, on se sent
en sécurité. Même si parfois, effectivement, on se met peut-être un petit peu en danger physiquement. On est mélangé, voilà, aujourd'hui, à la veille de la dernière étape, on est mélangé entre deux émotions. Sentiment mélangé aussi à propos des nouveaux secteurs sélectifs sur piste découverts hier. Un type de navigation que les concurrentes s'apprêtent à affronter de nouveau. L'objectif, rejoindre deux points en empruntant uniquement des pistes. Si certaines n'ont pas aimé ce type de navigation, d'autres sont totalement emballées, comme Cindy Lee et Caroline. Là, en fait, je repère le point de départ et le point d'arrivée. Et on va essayer de trouver des passages le plus au cap possible. Qui a un vrai côté adrénaline parce qu'on se retrouve à prendre une piste en étant convaincu qu'elle va permettre de choper la bonne passe. Et puis au final, vous arrivez sur une yourte. Sauf que là, vous regardez derrière la yourte et il y a bien une piste qui continue. Et c'est ça le côté qu'on a trouvé vraiment génial. Mais pour les concurrentes, c'est un véritable casse-tête de piste qui débute avec de nombreuses impasses et l'obligation de faire demi-tour pour retrouver la bonne piste en cas d'impasse. Équipées d'une carte A2, de leurs jambes, de leurs yeux et du GPS, les concurrentes doivent confronter les différentes sources d'informations dont elles disposent à la réalité du terrain, les analyser et faire le bon choix. Pas toujours facile lorsque les pistes sont plus ou moins effacées par le vent et la végétation. Après 92 km parcourus dans ces conditions, c'est un dernier secteur sélectif au roadbook de 138 km qui attend les aventurières. Un secteur qui restera sans aucun doute comme l'un des plus beaux du rallye. Des paysages de cartes postales, typiques de la Mongolie centrale, montagneux, verdoyants, entrecoupés de nombreux gués où pèsent paisiblement chevaux, moutons, chèvres et yaks. Un terrain qui n'en reste pas moins difficile, y compris pour les locaux, à qui l'organisation n'hésitera pas à donner un coup de main, sous l'œil interrogatif des yaks. Alors que le soleil commence à baisser, les concurrentes, elles, doivent encore monter à travers le massif montagneux pour atteindre le camp de yourte où elles profiteront d'un repos salvateur avant l'ultime étape. Le tout dans un décor naturel somptueux. Une nouvelle journée intense qui aura permis à des aventurières heureuses d'en prendre plein les yeux. On a dit c'est bon, maintenant on y va au taquet, on va rentrer de bonne heure et on a tracé et franchement efficace, ouais. Donc contente de nous. Donc arriver les premières, c'est toujours le petit plaisir qui fait du bien. Après voilà, même si c'est pas sur l'étape ou quoi que ce soit, peu importe, mais arriver en premier sur le bivouac, ça fait le petit plaisir de la journée, c'est sympa. Dernier réveil et dernier départ pour cette première édition de la Mongolie Aventura Cup. Un départ qui ne se fait pas sans un petit pincement au cœur. Dernière journée. Je ne veux pas partir. Ceci dit, il fait un peu froid là ici. Hein. J'aimerais bien un petit peu plus de chaleur. Ça m'arrangerait. Et pas trop de boue, si c'est possible. Impeccable. La voiture n'a eu aucun souci, donc on était très très inquiète. C'est vrai qu'on a quelques crevaisons à notre actif, donc on a toujours un petit peu tendance à être un peu stressé. 239 km attendent les 27 équipages pour cette dernière étape. Et pour se mettre en jambes, c'est un petit secteur sélectif au roadbook de seulement 48 km qui leur permet de sortir de la vallée où elles ont passé la nuit. Mais le gros de la journée est à venir avec un ultime secteur sélectif sur piste de 76 km. Un secteur qui avait un arrière-goût de devoir à la maison, alors que les aventurières avaient suivi une formation à Paris quelques mois avant le rallye, elles en étaient reparties avec ce secteur sélectif à préparer chez elles. À partir des données GPS fournies, elles devaient, depuis la France, la Belgique ou le Canada, définir la meilleure trace. On sait qu'en prenant à droite sur cette piste-là, il y a des voitures qu'on a vues arriver qui passent en dessous. Donc on sait qu'il y a une piste en dessous.
Mais à mon avis, il faut qu'on aille à gauche. C'est, là, c'est juste pour se rassurer. Ah si, putain, il y en a une qui est en face. Relief montagneux, zone humide, voire marécageuse, cette dernière journée est loin d'être la plus facile. Dans ce dédale de piste, audace et intuition sont nécessaires. Certaines décident de passer par l'ouest, d'autres d'affronter les difficultés du terrain de front. Ça c'est fait. J'avais des chaussures trouées, c'est bon, j'ai fait un bain de pied. Pas le tronçon de piste qui est là, tu vas être obligé de faire du hors-piste pour retrouver celle qui est là-bas. Donc toi tu voudrais aller en haut, tu veux que j'arrive en haut, ce qui se passe? Non mais en haut sur la carte il y a la piste et ça tourne à gauche, tu D'accord. sais, et ça remonte complètement plein nord. Et si pour certaines la performance n'a pas été au rendez-vous lors de ce dernier secteur, peu importe, l'essentiel était ailleurs aujourd'hui. Alors aujourd'hui, en fait, on va dire qu'on n'a pas tout à fait rempli l'objectif de la course puisqu'on est bien au-dessus des kilomètres qui étaient prévus. Par contre, on a vraiment vécu un moment magique parce qu'à un moment, on est arrivé dans un endroit où il y avait un petit pont en bois qui était écroulé avec deux enfants qui ramenaient leur bétail sur des chevaux et puis qui nous ont aidés en fait à passer le gué, montrer le chemin. On a vraiment eu un moment d'échange extraordinaire. Puis après, on est arrivé dans les sapins, dans les petites fleurs. Alors, on a fait un gros contournement, on est allé beaucoup trop au nord, mais c'était magnifique, donc c'est ce qui va rester de toute façon beaucoup plus que les kilomètres en trop qu'on a fait. Au final, tout arrive au départ de l'ultime secteur sélectif au roadbook de 15 km qui les mène vers la ligne d'arrivée. Une ligne d'arrivée légèrement humide pour des aventurières émues et fières. Super moment. Ah ouais. C'est les yeux qui m'ont parlé plus que plus qu'avec ma bouche. C'est non, c'était magnifique. C'était merci, merci c'était pour super. Tout. Vous avez tous été géniaux. C'est bien progressé, bien vraiment, on a vécu une aventure exceptionnelle. Et on remercie tous les organes. C'est plein d'émotions, c'est contente d'être arrivée parce que fatiguée, mais triste en même temps parce que voilà, on va retrouver le train-train et c'était une super, super aventure. Contente d'arriver, mais c'était tellement bien que ça fout aussi les boules d'arrêter. Voilà. Mais non, c'était super. Vraiment, c'était super. Imaginez. Et Jérôme, franchement, pour moi, c'est un super aventurier. De nous faire venir toutes là, comme ça, c'est incroyable. Au final, après plus de 2500 km parcourus à travers la Mongolie, quatre noms resteront gravés dans l'histoire de la Ventura Cup. Dominique et Florence, ainsi que Valérie et Marielle, qui remportent respectivement les premières et deuxièmes sessions de cette première édition de la Mongolia Ventura Cup. On n'était pas venus dans cette idée de taper une première place. On était venus pour s'amuser à deux, quoi, pour prendre du plaisir, pour se marrer, pour rigoler. Et on ne pensait pas du tout... Doper une première place. C'est énorme. Ah ben, on est vraiment contente, mais en même temps, on se dit que c'est mérité, quoi. Non, c'est vrai, ouais, c'est vrai, on a... On voulait. Et on a été régulières tout le temps, sauf à la 8e étape où on s'est vraiment cassé la gueule. Et là, du coup, ça a foutu un coup de suspense. Mais on se disait quand même, avec ce qu'on a fait hier, ça devrait aller. Rendez-vous en juin 2018 pour la seconde édition de la Mongolia Ventura Cup, toujours au départ d'Oulan Bator.